Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.nCLtours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. Ankoro, déformé du mot ankolo, venu du col de la chemise, image de la rencontre de deux cours d'eau. La rivière Kamalondo et le Louvois constituent le capital de vie de cette population qui se maintient grâce à la pêche et à l'agriculture. Situé à plus de 700 km de route de Lubumbashi, le secteur d'Ankoro se trouve dans les territoires de Manono. Doté d'un aérodrome avec une piste en terre battue, cette contrée du Nord Katanga ne reçoit que des petits porteurs. Ce jeudi 18 novembre 2010, est une journée particulière. Ya kusema kabila ni wangu mie, niko naye furaha ya mzee kabila nakuya humu mwetu. Wakuye tumuone njo tuko na furaha sie. Antuka tozana isengo mingi, mama tozana isengo mingi, ndenge tozo, toyoki nsango ke ye, mama pe azoya, antuka nde ya wani tozo, linga toye embe la bango peza, bae bake, bacha basoda bango pe bazana nkuru antuka. Je me retrouve ici sur l'aérodrome d'Ankoro. La fête a déjà commencé pour la population de ces secteurs. Ils reçoivent un fils du terroir. Joseph Kabila Kabange vient pour la deuxième fois visiter ses pères ici dans le secteur d'Ankoro. L'aérodrome d'Ankoro est déjà bondé de monde. Toute la population se mobilise par dizaines de milliers. Ils viennent accorder un accueil chaleureux à leur fils. En effet, la fête est totale à l'aérodrome d'Ankoro où la population attend de pied ferme le couple présidentiel car l'information est déjà passée dans la cité. La population s'amasse pour attendre l'arrivée du chef de l'État. Sous le coup de 14h local et 13h à Kinshasa, le couple présidentiel foule le sol d'Ankoro, territoire d'origine de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, la population d'Ankoro, votre village d'origine, vous souhaite la bienvenue. Le chef de l'État reçoit un accueil digne d'un fils du terroir. De l'aérodrome jusqu'à sa résidence, Joseph Kabila Kabange et son épouse vont marcher pendant près d'une heure et demie avec cette population en liesse, scandant des cantiques, tout à l'honneur du deuxième fils du terroir et revêtu du pouvoir d'État. Un moment d'intense communion fraternelle qui rapproche davantage Joseph Kabila de sa famille paternelle. Le chef de l'État est allé appliquer Éphésiens 6, versets 1 à 3. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Malachie 1, verset 6 dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc le chef de l'État est allé témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de la source de sa vie, qui n'est pas seulement la source de sa vie en tant qu'homme, la source du pouvoir. Mzé Laurent Désiré Kabila, il est né dans la maison de Mzé Tarati Boudésiré et il a fait le pied depuis l'aéroport jusque dans la ville et c'était ses frères, ses cousins, ses oncles, les voisins de son grand-père, de son père qui ont marché avec lui, qui étaient heureux de marcher avec lui.
suis sous le manguier planté par Mousé Laurent Désiré Kabila devant la maison construite par son père Tartibou il y a maintenant plus de 50 ans. C'est donc dans cette concession familiale que Joseph Kabila Kabangé s'est bâti sa résidence. C'est ici qu'il est venu lui-même avec son épouse, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, et son fils qui porte le nom de Mousé, s'installer après une heure de marche depuis l'aérodrome d'Ankoro. Ce secteur du territoire de Manono, situé à plus de 700 km de Lubumbashi, célèbre l'arrivée ce jeudi 18 novembre 2010 de Joseph Kabila Kabangé, fils du terroir. La venue du chef de l'État dans ce secteur redonne de l'espoir aux populations qui font désormais les pieds de grue devant la résidence présidentielle, car elle estime que la venue du président de la République dans leur secteur va impulser sa modernisation et son développement. Sisi yetu, tunapenda mtoto yetu, atujenge kukwetu. Huko kukwetu, nge sisi yetu, yasi baba batika, adibusala, wetu president. Sisi yetu, ajenge wetu mukini wana vile tuko. Tuko umayani, tuko umashimu, manjia mubaya, makazi hakuna. Sitôt qu'il avait posé ses valises et installé sa famille, le président de la République est de nouveau rentré dans la rue pour faire le tour de la cité. Son souci est de palper de près les réalités quotidiennes de ses compatriotes. Il va notamment sur la place du marché. Échangeant avec quelques commerçants, Joseph Kabila Kabangé s'est fait une idée sur le coût de la vie à Ankoro. Un tour du côté de la prison permet au chef de l'État de se trouver en face d'une bâtisse à l'image d'une maison abandonnée. D'un coup de poing, la porte cède et Joseph Kabila rencontre deux prisonniers. Par un jeu de questions-réponses, le président s'informe sur la cause de leur incarcération. Pourquoi vous ne vous évadez donc pas alors que la porte n'existe presque plus? Questionne le chef de l'État. Nous sommes sous le coup de la loi et nous la respectons, votre excellence, répond les prisonniers. La prison a dépassé l'image des quatre murs dans l'âme de ses citoyens soumis au respect de la loi. Poursuivant son tour, le président de la République inspecte quelques points de ravitaillement en eau potable de la population. Il va clôturer par l'école d'excellence Mousé Laurent Désiré Kabila, bâtie sous son impulsion par le Fonds social de la République. Voilà une belle image de la réforme du système éducatif congolais. Au lendemain de leur arrivée en Koro, Madame Marie-Olive Lembe Kabila va visiter la résidence paternelle de son époux.
Après plus de 50 ans, la maison des Taratibou, qui a bercé l'enfance du soldat du peuple, est toujours à sa place. Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée de son fils qui porte le nom de Mouzé, vient honorer son beau-père et Laurent Désiré Kabila Junior retrouve ses racines. C'est la communion avec les sources, parce que le chef de l'État est de la septième génération depuis Kissinda Kiamouéou, depuis Mouéou jusqu'au chef de l'État, septième génération, et le bébé, bon, le petit Laurent Désiré Kabila, il est de la huitième génération, neuvième génération, et il est allé entrer dans la maison de son arrière-grand-père, et je l'ai vu gambader, courir, n'est-ce pas, dans la cour, etc. C'est vraiment la communion avec la racine principale. De son côté, le chef de l'État, au cours d'une série d'audiences avec l'évêque de Manono, le ministre provincial de la Santé et le député national Jacques Nkoulou, élu du coin, est saisi sur les principales difficultés rencontrées par la population. Nous sommes venus d'abord accueillir le président, comme Ankoro fait partie de notre diocèse, c'était notre devoir d'hospitalité de venir l'accueillir et pouvoir parler avec lui. Et nous avons parlé principalement de développement, les problèmes de route, problèmes d'élevage, problèmes d'agriculture, et un peu lui présenter certaines doléances pour la population dans le cadre des 5 chantiers. Et le problème d'Ankoro, c'est d'avoir un problème de santé. Il y a beaucoup d'épidémies qui à répétition. Il y a le problème de l'eau. Il y a quelques puits qui ont été forés, mais c'est insuffisant. Le problème d'éclairage, vous avez vu ces poteaux, ces panneaux solaires. Et si vous promenez le soir, vous allez trouver des enfants qui vont étudier là. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas de courant. Et problème de route. Ankoro est enclavé. Pendant la saison de pluie, on a du mal à joindre Ankoro, que vous venez du côté de Kitanda ou de Manono. En bon fils de riverain, Joseph Kabila Kabangé prend une pirogue pour visiter les abords de sa résidence. D'un bout à l'autre, le chef de l'État traverse la rencontre de deux cours d'eau. La rivière Kamalondo partage les lits avec le Louvois qui coule pour se jeter dans le fleuve Congo. Joseph Kabila a suivi le cours pour atteindre la terre ferme de l'autre bord. Cette contrée s'appelle Kabalo.
Le président de la République allait temps de se faire une idée juste sur ces terres arabes à l'aide de quelques clichés. Il a marché à pied, mais encore, il est allé sur la pirogue, il était en famille, il était très heureux et les membres de la famille d'Ankoro étaient aussi très heureux, charmés, l'ont béni, il leur a apporté la bénédiction, eux aussi, ils l'ont béni. De retour à Ankoro, le président de la République, accompagné de son épouse, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, est allé à la cathédrale d'Ankoro. Architecture en état de délabrement très avancé que découvre le couple présidentiel sous le guide de l'évêque de Manono. Ensuite, le cortège présidentiel s'est rendu à l'hôpital de référence d'Ankoro. Un tour dans les principales salles permet au couple présidentiel de s'imprégner des réalités de cette formation médicale. Matériel de travail vétuste et pas renouvelé, impayement de salaire du personnel soignant, manque d'électricité et rareté dans la fourniture de produits pharmaceutiques. Thank you.
réseau, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de flow, ça. Ça tourne. Essaye un peu de mettre du papier là-bas. Mets du papier. Ça tourne. Mais ça. Ce n'est pas possible, c'est difficile. Ces difficultés n'ont pas empêché au couple présidentiel d'arracher les sourires aux malades et au corps médical, remplis d'espérance de voir leurs conditions changer après le passage du couple présidentiel. Après cette visite, le chef de l'État a pris la route pour rejoindre l'aérodrome d'Ankoro et s'envoler pour Lubumbashi. Pour cette deuxième visite effectuée sur le sol de ses ancêtres, Joseph Kabila Kabange a permis à son épouse et à son fils qui portent le nom de son père d'entrer en contact avec ses racines.